La question qu'on qu se pose face à ces, ces, ces erreurs-là qu'on va appeler des glitches, c'est comment est-ce qu'on pourrait en faire une forme d'expression artistique ou comment est-ce qu'on pourrait essayer de les produire, ces glitches-là, pour euh, aller questionner cette, cette image détériorée-là, justement, en faire un contenu plus que quelque chose qui, qui advient et qu'on veut supprimer, en faire une, une mati la matière d'une image artistique, d'une nouvelle image. L'idée donc, ça va être d'intervenir sur des images pour produire, reproduire cette erreur-là dont on est témoin. Ce que je peux faire, c'est ici avec ExEditor, qui va visualiser les images sous forme de données texte, mais avec une forme d'organisation. J'ouvre mon extrait, je vais venir intervenir, interchanger, copier des lignes, produire... Euh, différents, différentes erreurs, créer de, de, de nouveaux artefacts à partir d'une modification qui, encore une fois, est textuelle. L'essai nous permet d'obtenir des résultats comme celui-ci. Et là, on voit que l'erreur qu'on a produite est quand même assez limitée. L'altération que j'ai faite a vite rendu la, la vidéo illisible là où, euh, où je suis intervenu. Au bout de notre premier mode d'intervention, qui était donc faire une visualisation textuelle de, de, de ces contenus-là, si on peut les, les visualiser de manière textuelle, on peut les visualiser d'une autre manière. Ce qui va par exemple être intéressant, c'est d'utiliser un logiciel comme Audacity ou... On va pouvoir importer en données brutes le fichier, c'est-à-dire qu'on fait exactement la même chose qu'avec le, 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 le logiciel de visualisation textuelle, sauf que cette fois-ci, c'est une visualisation sous la forme d'un son. Donc, je vais pouvoir reprendre mon extrait, lui préciser de faire le moins d'interventions possible, c'est-à-dire de lire mon, mon texte, mon, mon ma vidéo sous la forme de, de données vraiment brutes. Ici, je vais pouvoir déjà avoir une ligne de temps de ma vidéo, ce qui peut être intéressant quand on fait des interventions sur un, sur un contenu qui a une chronologie, qui a, qui a une durée. Ici, je vais pouvoir sélectionner et appliquer des effets audio à un fichier qui est vidéo. Une fois qu'il m'a fait ces, ces interventions-là, qui dans le fond ont la même nature que les interventions textuelles, puisqu'on va venir modifier le... le, le le, 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 les données initialement, mais en appliquant cette fois-ci des effets associés à un, un logiciel audio. Donc là, ici, on voit déjà que la continuité de la vidéo garde est quand même encore présente. On a encore une durée qui qui, qui existent et on voit que l'intervention que j'ai faite vient créer de, de nouveaux artefacts qui ressemblent d'une certaine manière à ceux qu'on peut rencontrer dans le quotidien quand on ouvre un fichier vidéo, quand notre ordinateur est un peu fatigué, a fait un peu trop d'efforts. On va avoir le, le, le même type de, de résultat. Ici, par exemple, on voit que l'effet que j'ai appliqué est un effet d'écho, c'est qu'on va avoir par exemple des effets de répétition de, de l'image. On voit que des fois les images précédentes viennent, viennent réapparaître sur les, sur les images suivantes. Et de la même manière, on peut deviner sans savoir exactement quel effet va avoir chaque effet sonore. On a eu à la fois des modifications qui étaient textuelles, des modifications sonores, pour affecter des fichiers dont les données initialement devaient être visualisées de manière soit sous la forme d'une image ou d'une vidéo. Et on voit, on voit qu'en lisant sous une forme différente par l'ordinateur et en venant modifier le, les données avec le, le mode de visualisation associé, on peut obtenir différents... Résultat, celui-ci, le précédent, et recréer une forme de, de glitch comme on a pu le rencontrer dans la nature, on dirait, mais artificiellement, d'une manière artistique, avec un contrôle plus ou moins important. Fait on n'est pas allé modifier les frames de l'image ou que ce soit, on est allé vraiment les frames de l'image, les brutes de l'image, sans nous soucier du type de, de, de contenu qu'on était en train de, de modifier. Et en ce sens, on va parler de data bending parce que c'est les données directement qu'on va modifier, transformer, sans réelle limitation des transformations qu'on peut affecter. Dans le texte, par exemple, on peut les détruire complètement. Il n'y a aucune visualisation, aucune limitation qui vient s'imposer à ce que, non, ici, il s'agit d'une vidéo, tu ne peux pas intervenir de cette manière-là. On peut intervenir de la manière qu'on veut, et on va tordre les, les, les données, parce qu'on ne les interprète pas comme elles devraient être interprétées. C'est ça qu'on va appeler du data bending. Ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de créer des erreurs, mais en prenant en considération qu'il s'agit d'un fichier vidéo. Donc créer des erreurs qui vont peut-être plus s'accorder avec la continuité, le mouvement le passage de frame en frame de, 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 de cette image vidéo. Et pour ça, la première manière qu'on qu va avoir, c'est d'utiliser un logiciel de montage vidéo qu'on va essayer de choisir suffisamment libre, suffisamment flexible pour qu'on puisse intervenir librement sur les frames, venir créer des erreurs sans corrompre l'ensemble du, du fichier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Avidemux. Une version en fait, antérieure d'Avidemux, une version qui est assez stable. Et on a remarqué simplement par essai-erreur, la, la communauté qui a voulu créer des glitches s'est rendu compte que cette version-là d'Avidemux permettait de venir intervenir sur euh, la, la vidéo en question. Fait que moi, là, quand je vais ouvrir le fichier, la première étape que, que, que je vais faire, c'est de passer dans un codec spécifique qui est xvid, qui finalement a un, a un codec de, de vidéo, c'est-à-dire de d'encodage des données, d'écriture, de un mode d'écriture des, des données qui est assez libre, assez flexible, donc qui va m'intéresser. Je vais aussi passer la vidéo dans, dans, en la transformer en point avi, c'est-à-dire un format de vidéo qui lui aussi est assez flexible. C'est simplement que l'expérience montre que c'est Différents paramètres-là vont permettre d'intervenir sur l'image sans la détruire trop rapidement. Ce que je vais faire également, parce qu'on a dit qu'on voulait intervenir cette fois-ci sur les frames, c'est que je vais changer le nombre de frames par seconde. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un échantillonnage particulier. On sait que le fichier est un fichier numérique, c'est-à-dire la manière dont il va être enregistré, les frames il va y avoir un certain nombre d'images clés, c'est-à-dire de frames qui sont enregistrées comme des des images complètes et d'autres frames qui elles vont être des images qu'on appelle des images P qui elles vont être définies par rapport à cette première image, cette image clé enregistrée complètement et ça finalement c'est plus on va avoir une, une compression plus ou moins importante qui va définir le nombre de données que vont contenir ces images et ces images relatives là nous ce qu'on va vouloir, ce sur quoi on va vouloir intervenir, c'est ces images en question-là. Que plus il y en aura, moins on risque de détruire notre fichier. Fait que la, la première étape à faire est d'augmenter le nombre de, de frames. Je réouvre mon fichier qui cette fois-ci va être dans le, le, le format, dans le contenant qui, qui m'intéresse. Et Avidemux va me permettre de me déplacer d'image en image et va également me dire sur quel type d'image je, je me trouve. Ici, il me donne en bas à droite le frame type. Je vais souvent utiliser également l'expression frame, qui est plus usuelle dans le langage informatique et qui permet de définir plus précisément, ou en tout cas de manière plus juste, ce, ces images qui n'existent pas individuellement, mais qui sont dans une séquence vidéo. Ici, par exemple, j'ai des iframes, donc des images clés qui sont enregistrées dans leur intégralité. Et à la suite d'images de, de iframe, je vais avoir des pframes qui, elles, vont être définies. Uniquement, les données qui sont enregistrées sur ces pframes sont les données de l'image qui ont été modifiées par rapport à l'image précédente. Ce qui va se passer, c'est que si je me rends sur une iframe quelconque, la p frame suivante, on va voir ces vecteurs qui vont se mettre en place et... Qui correspondent aux changements qui opèrent dans l'image et donc à ce qui est réellement enregistré dans la, dans la p-frame, c'est-à-dire la définition de cette image par rapport à l'image précédente. Le premier mode d'intervention qu'on va appeler du data moshing, le data moshing le plus simple, va être de supprimer les iframes. Ce qui va se passer dans, ma, dans mon fichier vidéo, si je supprime cette image clé, c'est que la définition de l'image P qui se fait par rapport à cette image clé-là va se faire par rapport à l'image qui précède. Fait qu'on va avoir un rendu visuel où on va avoir un espèce de chevauchement des images. Les images ne vont plus savoir exactement par rapport à laquelle ça se définit. Et ça, ça, ça rend ce, ce, ces, ces visuels-là qu'on associe au data-moshing, où viennent se superposer un plan par-dessus l'autre. Au moment du changement de plan, il y a une espèce d'image qui vient avaler l'autre. Cette opération-là, je peux la faire manuellement. Ça va être assez laborieux. Fait que ce qui va être intéressant pour moi, c'est de mettre en place une première automation de ce principe-là. Pour faire ça en fait je vais utiliser je vais écrire un petit script. Un script finalement, c'est un exécutable, je vais donner un ensemble d'informations que je vais demander ensuite à l'ordinateur d'exécuter par lui-même. Ici, j'ai écrit un script qui est dans un langage dans un langage particulier qui en fait est un script qui demande à l'ordinateur d'entrer lui-même des informations de clavier. Sans que j'ai appuyé sur euh, sur les touches. Autre qui me lance ce script et en fait ce qui va me permettre cette application à travers ce script, c'est de retourner ici et à partir d'une commande. Si je vais entrer un contrôle F, à partir de cette commande là, ce qui va se passer, c'est que mes images clés vont être supprimées toutes seules. Cependant, on se rend vite compte que les altérations qu'on a faites sont assez limitées. Pour aller plus loin, on aurait envie d'avoir quelque chose de plus automatisé encore. Sinon, ça va être vraiment des modifications très ponctuel parce qu'on y va image par image et non pas sur un, sur un ensemble plus large, on aimerait le faire de manière plus importante. D'autre part, on aimerait aussi, au-delà des, des, des images clés, venir intervenir sur les autres images. Par exemple, je pourrais venir sélectionner une image P, un mouvement relatif, la sélectionner et la copier à l'infini pour que... Finalement, les images successivement continuent à se définir de la même manière, avec les mêmes changements que cette image-là, au lieu de passer au changement suivant. C'est-à-dire, au lieu d'avancer, on va continuer à réaffecter le même mouvement à l'infini à cette image-là. Cependant, ce qui va m'intéresser moi, c'est de créer une automation supérieure, c'est-à-dire d'aller intervenir encore plus rapidement sur ces fichiers vidéo là. Donc, ce que je vais faire pour pour ça, c'est que je vais passer à de la programmation Linux. J'utilise un script qui n'a pas été écrit par moi, qui est tomato.py, qui est un script qui est écrit en Python, un langage particulier qui va être, qui va être efficace pour les opérations qu'on a à faire. Et finalement, si on lit rapidement ce, ce script-là, on se rend compte qu'il commence par définir un certain nombre d'arguments, c'est-à-dire un certain nombre de, de données qu'on va pouvoir venir transformer dont, dont l'un des arguments, par exemple, le premier argument, ça va être aller lui définir quelle vidéo il va aller affecter. Ensuite, il va ouvrir le, notre fichier vidéo et ici, on voit qu'il va aller s'intéresser, lui, à l'index. C'est ici qu'il y a une différence qui est intéressante par rapport à ce qu'on faisait précédemment avec Avidemux. C'est qu'Avidemux, lui, on allait supprimer des, 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 des images clés, supprimer des frames, modifier des frames, copier des frames. Ici, ce qu'on va faire avec ce script-là, c'est non plus modifier ces frames-là, mais modifier l'index de la vidéo. C'est-à-dire que la partie qui se trouve dans l'entête du fichier, dans les données, et que le logiciel vidéo va ouvrir en premier, va lire en premier, ça va être la manière dont sont ordonnées les images dans le temps. Et ce qui est intéressant avec ces scripts-là, c'est qu'on va aller modifier cette partie-là des données. Ça va être beaucoup moins lourd, beaucoup plus rapide. On va simplement modifier l'index. Les images resteront les mêmes, mais c'est ma la manière dont elles vont être lues par le fichier vidéo qui va être altérée. Donc on voit ici, si on avance un peu dans le, dans le, dans le code, on a à chaque fois un if, c'est-à-dire un si. Si j'entre le mode, ça va être là dans, ma, dans, dans, mes, dans les commandes que j'entre. Je vais entrer par exemple ici, on voit le mode shuffle, et lui, il va appliquer à notre index une fonction précise qui est une fonction aléatoire, c'est-à-dire qui va mélanger les fonctions entre elles. Ici, il y a un autre mode qui est le mode I Kill, qui lui va correspondre à ce qu'on a fait tout à l'heure. Il va appliquer une fonction qui va aller supprimer dans l'index toutes les images clés. On a une fonction Bloom qui elle, va multiplier un certain nombre de fois, à une, à une certaine fréquence, les, euh, les, les, les frames en question. La personne qui a développé ces, ces scripts-là, finalement, à la suite d'un processus qui est parti d'observation de logiciels comme celui qu'on utilisait à Videmux en se posant la question comment on pourrait rendre ce processus plus efficace avec différents, différentes personnes qui sont intervenues pour développer des scripts de plus en plus précis jusqu'à obtenir ces scripts-là qui eux me permettent d'obtenir de faire beaucoup d'opérations et de manière assez simple. Elle donne également un mode d'emploi que moi j'ai juste à ouvrir, à suivre. Je peux entrer la commande tomato.py- c'est-à-dire je lui demande mon input, c'est-à-dire mon fichier qui va venir en entrée, que j'ai appelé kodakprep.avi, c'est-à-dire c'est le fichier, je l'ai appelé prep parce que c'est notre vidéo qui en plus a le bon nombre d'images et dans le, un container AVI avec la même flexibilité. Ensuite je lui dis d'appliquer la fonction shuffle, qui est donc on a vu la fonction qui va mélanger les fichiers, et je lui demande de me sortir kodak shuffle.avi. J'exécute ensuite le programme. Et il va me créer un nouveau fichier que je vais pouvoir ouvrir ici et qui va avoir l'ensemble de ces images clés et autres complètement mélangées. Je vais pouvoir appliquer d'autres fonctions, par exemple pulse. Je sais que pulse fonctionne assez bien en général. Pulse, elle, va être une fonction. Ici, je lui ai, mis, je lui ai demandé toutes les 200 frames de multiplier 75 fois la, la frame. J'ai déjà effectué l'opération. J'ai obtenu un fichier particulier qu'on peut visualiser ici. Cette fois, j'ai utilisé Pulse et j'ai demandé à multiplier 75 fois l'api frame, donc le mouvement relatif toutes les 100 frames. Et finalement, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec les outils qui ont été développés, qui sont mis à mes dispositions, cet ensemble de scripts qui a été développé par une communauté, moi en tant qu'usager, je peux venir produire assez rapidement grâce au aux informations qui me sont données, au mode d'emploi, et venir modifier les données que j'ai envie de donner. C'est-à-dire pouvoir venir choisir cette fonction-là, aller voir quel effet elle produit, me dire que je vais augmenter la fréquence, que je vais augmenter le nombre d'images qui sont, qui sont modifiées, et obtenir finalement une grande flexibilité dans le type de, de, de glitch que, que je peux produire. Je pourrais par exemple, ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, c'est qu'il y avait un moment particulier. De la vidéo qui m'intéressait. Celui-ci, le moment finalement le, où il change de. Hop, il amène vers le haut et il va changer ses, ses flashs, fait que j'ai identifié, grâce à mon, à mon logiciel de visualisation, que c'était la frame 1200 qui était affectée. Donc là, moi, je peux aller dans mon logiciel et c'est ça que j'ai fait tout à l'heure, c'était la 1217. Donc je vais aller prendre l'une des fonctions qui, elle, va multiplier une seule fois précisément. Un certain nombre de fois la frame en question. Je lui demande d'aller chercher la frame 1217, de la multiplier 50 fois. Je sors mon résultat et ce que j'obtiens, si j'avance un peu dans la vidéo et que je vais au moment qui m'intéresse, c'est que ce qui se fasse passer effectivement, c'est que c'est exactement la frame que j'ai identifiée qui va être affectée par le mouvement que j'ai envie de voir. Ce qui peut être intéressant pour finir d'expliquer l'ensemble de de ces mouvements, c'est qu'avec Avid de on a vu que je pouvais naviguer entre mes, mes images, c'est que je vais retourner chercher le fichier que j'ai modifié, puis on va pouvoir venir voir plus en détail exactement ce qui se produit au sein de, de l'image et d'où est issue finalement sur cette espèce de, de mouvement chaotique, métastasé, d'aller identifier ce qui se passe au niveau des, des frames et des pi-frames qu'on a vu tout à l'heure identifiés par des, des mouvements relatifs. Que ce que je vais faire, c'est que je vais retrouver euh, le fichier pulse qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de mouvements, qui était peut-être le plus intéressant en termes de quantité de, de mouvements. Que je retourne afficher mes vecteurs de mouvement. Si je me déplace, on voit qu'ici l'image n'est pas affectée. On va voir que c'est à partir d'ici que le glitch commence. C'est qu'il va prendre cette image P là. Grâce à la fréquence, c'est l'une des, des images P qui est affectée par la fréquence qu'on avait rentrée. Il va la prendre et la multiplier. Et on voit que ce qui va se passer, c'est que le mouvement ne change pas. Et comme la P-frame ne change pas, les données de la P-frame sont reproduites, le mouvement devient de plus en plus chaotique. Et on a cet effet de, de flou, de, de nouveaux mouvements qui viennent sortir de l'image. On appelle ça du data moshing cette fois-ci parce que on prend en considération que c'est le mouvement de l'image, sa continuité, sa construction euh, dans un format qui est un format vidéo, c'est-à-dire dans, dans un contenant qui va prendre en considération que c'est sur une durée, que ce sont des images successives qui se produisent. Fait que notre intervention ne va plus concerner un, des données brutes, mais cette fois-ci concerner des images qui sont interprétées comme des images en mouvement. En continu. Fait de cette manière-là, on va pouvoir aller supprimer certaines images clés qui viennent de définir l'image, aller en reproduire d'autres qui devraient n'exister qu'une seule fois. Donc, jouer avec cette continuité, avec cette, cette durée-là, cette succession dans le temps, et pouvoir créer des effets qui, cette fois-ci, sont d'autant plus intéressants qu'ils ne sont plus arrêtés dans le temps, chaotique mais qu'ils s'intéressent autant aux images dans leur fixité qu'aux images dans leur mouvement et qui vont donc permettre de, de créer les effets qui sont si populaires dans le datamoshing